Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu un petit souci, oui, j'ai capoté mon enregistrement, c'est-à-dire que mon PC a crashé. J'avais pas sauvegardé l'épisode d'avant. Et du coup, j'ai essayé de reproduire à peu près ce que j'ai fait dans l'épisode d'avant. Vous verrez que là on est dimanche matin alors que l'épisode d'avant on avait fini le samedi soir dans le game. Parce que je suis allée un petit peu trop vite, un petit peu trop loin, j'ai voulu vite me rattraper. Et du coup voilà, donc bon, j'avais pas fini l'épisode et j'avais pas enregistré la partie, voilà. Merci beaucoup le PC, on t'adore, donc j'espère que ça se reproduira pas et il faut que je fasse bien attention entre chaque épisode, surtout quand je fais plusieurs épisodes d'affilée, de bien sauvegarder. Voilà, petite annonce à moi-même. Oh c'est cracra hein, le lavabo. Mais du coup ce que j'avais fait dans l'autre épisode quand j'avais commencé, c'est en gros j'avais commencé à tout refaire la baraque. Voilà. Donc là j'ai fait le matin, là ce que vous avez raté ce matin c'était un peu de pêche. J'ai eu de la chance parce que je suis passée sur une grenouille, j'ai trouvé une grenouille à 166 pouces que j'ai réussi à reproduire et du coup avoir en double. Du coup maintenant la reproduction de grenouille ne me donnera plus 106 pouces mais 160. Heureusement j'ai réussi à repêcher parce que dans l'autre épisode j'avais pêché cette plante, sauf que cette fois-ci c'est pas Angela qui l'a pêché, c'est Angelo. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, hein. On l'a repêché, je pensais même pas pouvoir la repêcher. Du coup, on va la planter après qu'elle ait fini ce qu'elle est en train de faire. Hein. Son petite composition, du coup, j'ai remis un air fantaisiste que je vais devoir refinir. Alors, on va aussi faire dans cet épisode-là, du coup, la reconstruction de la maison. Je pense que c'est le plus gros de cet épisode-là, ce sera là, cette reconstruction. En plus j'avais fait un truc, enfin d'un côté c'est pas si mauvais que ça parce que j'avais fait un truc qui me plaisait pas forcément. Bon, enfin, je peux pas dire que c'est bien, mais bon d'un côté au moins on repart de zéro. Mais c'est vrai que j'avais commencé à grandir la maison en profondeur et que j'avais commencé à faire quelque chose, mais j'avais pas du tout aimé ce que je faisais. Du coup je suis encore en train de réfléchir à comment je vais faire pour ne pas reproduire cette erreur là. J'ai peut-être ma petite idée. Mais on verra bien, on verra bien. Voilà, on verra bien si je suis inspirée sur le coup. Alors, les enfants sont en train de pêcher. Elle, on va la laisser finir. C'est tellement mélancolique la musique qu'elle fait. Et les enfants pêchent. Franchement, ils gagnent quand même pas mal d'argent avec la pêche, hein, les enfants. Regardez, 82 simfous, 28 simfous. Franchement. Ça rapporte quand même pas mal. Hein. Ah voilà, donc on va mettre, je sais plus si c'était dans l'épisode que j'ai foiré ou si c'était dans celui d'avant déjà qui j'ai gardé l'enregistrement. Mais on avait appelé ça le lutin qui lutine. Et on va rester sur ce titre là. On va mettre exactement le même titre. Oh, elle est contente. Allez, on fait ça. Mais va aux toilettes. T'as envie d'aller aux toilettes. Ensuite, va prendre des restes et va dormir. Et je crois que c'est au moment où j'avais vendu la graine vache que j'avais commencé à, en même temps, vu que j'étais en construction, à tout refaire. Donc, je pense qu'on va faire à peu près pareil. Sauf que le problème, c'est que si elle est là pendant que je... Non, faut quand même que je la sorte de la pièce. Je vais la sortir de la pièce, tiens. Ça a fini de manger. Et on va commencer à refaire la maison. En espérant cette fois-ci la refaire d'une manière qui me plaira mieux. Donc je pense qu'on va remettre en profondeur, mais je vais pas disposer. Mince. Je vais pas disposer les pièces de la même manière. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les pièces et j'avais agrandi comme ça. Je vous ai déjà dit que je voulais faire une maison qui était simple, pas trop grande, mais pratique. C'est un peu mon but. Quelque chose de pratique, de simple et de pas trop grand parce que j'aime pas mettre 3 km, enfin 36 000 ans à passer d'une pièce à l'autre, quoi. J'aime pas du tout ça. Du coup, faut que je fasse quelque chose qui soit bien. Ce que j'avais fait ensuite, c'est que j'avais enlevé les murs pour partir sur une base simple. Très simple, hein, parce que c'est juste un énorme rectangle, mais j'avais très bien réussi à reproduire les toits. Ah mince, je suis allée un petit peu trop loin. Voilà, c'est bon comme ça ici. Ça pour l'instant on laisse ici parce que j'étais partie pour laisser la salle de bain ici.
Voilà. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des chambres ici, ici, ici. Alors, en fait, ce que je pense que je vais faire plutôt. C'est autre chose. C'est. Voilà. Ça, j'avais pas fait ça comme ça, hein, mais du coup là, je suis en train d'exploiter de nouveaux horizons. Oulala, à 15 ans, on exploite de nouveaux horizons. On exploite de nouveaux horizons pour essayer de faire quelque chose qui me plairait mieux. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est genre comme un. Mettre bb.moveObjects. Voilà, super. Et là, on va déplacer. Pas que ça dérange. Sur deux, ça passe. Hein. Et au fond, on peut mettre même qu'au fond, si je fais un truc du genre. Ouais, 15 L architecte, quoi. Un truc de ce genre là, comme ça on met une porte sur deux, comme ça elle sera au milieu, parce que j'aime bien quand c'est quand même un minimum symétrique. Quoi que justement, si je fais comme ça, ça fera quand même une bonne salle de bain. Voilà, et là normalement je voulais mettre la chambre, c'est ce que j'avais fait, ça me dérange pas de la laisser ici. Mais d'un côté, ce serait peut-être mieux si je mettais la chambre là. Comme ça, ici, on met la cuisine et en même temps, la salle à manger. Non, la salle à manger ici. Ouais. Il n'y a pas besoin peut-être d'une... Il faut que je mette le lit pour voir à quelle taille je vais mettre cette chambre. Mais normalement, là... Normalement, là, c'est correct. Là, voilà, c'est correct comme taille de chambre pour la maman. Parce que bon, je sais que je peux faire un truc encore plus simple, mais bon, je veux que ça reste quand même sympa. Je veux que ça reste quand même sympa. Genre, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, un truc encore plus petit et tout, juste avec une... Voilà. Mais je voudrais quand même un peu décorer pour que ce soit quand même une maison normale. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, attendez... Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais mettre une salle de jeu. Si je voulais mettre les enfants. Attendez, il y a les bancs. Enfin. Les bébés dans les berceaux. Les bébés dans les berceaux. Où est-ce qu'on va les mettre? Parce que les bébés dans les berceaux, on est obligé de les mettre tout seul. Parce que s'ils commencent à pleurer dans le berceau, ils vont réveiller tout le monde. Du coup, je pense que pour les bébés, on les mettra dans la petite pièce. Ça suffit. Même c'est limite trop grand pour eux, en fait, ici. C'est même limite trop grand pour eux. Mais bon, on va les mettre dedans parce que grand maximum il y en aura 3 en même temps. Il me semble qu'on peut pas dans les Sims avoir plus de triplés. Je veux dire, naturellement, du moins, on peut pas avoir plus de 3 des triplés, quoi, 3 bébés en même temps. Du coup, là, si on met un berceau ici, un berceau là et un berceau là, voilà, ça fait quand même bien comme chambre ici. On va mettre un peu de la déco pour faire voilà, genre. Pour les enfants et les ados, je pense qu'on peut les mettre ensemble dans la grande pièce. Parce qu'ils vont durer quand même longtemps. Et pour les bambins, qu'ils ont besoin aussi d'avoir leur lit pour bambins, on va les mettre ici, je pense. Du coup, pour la salle de jeu, comment qu'on fait? Parce que là, ça fait grand hein, pour une chambre si on met que des lits. Du coup, je peux peut-être rapetissir.
On va faire une étude. Si on met des lits comme ça, on peut mettre pas mal de lits, quoi. On peut mettre encore... ouais, on peut en mettre 4. On peut en mettre 4. On peut... ça, c'est juste pour tester. Ouais, en fait, il me faudrait encore une case. Une case ou une demi-case? Attendez. Pour rajouter un lit, parce que du coup, ça ferait 5 lits. Mais 4, ça suffit, on est d'accord que ça suffit, 4. Mais là, ça fait pas symétrique. Dans tous les cas, ça fait pas symétrique. Et quand c'est pas symétrique, ça me dérange. Donc, on va faire comme ça. Comme ça, vous voyez, on rajoute encore un lit ici. Et là, pour l'instant, on n'a pas l'argent pour s'amuser à faire ça. 400, donc ça, c'est les nouveaux lits, je peux les vendre. Ok, et là du coup pas besoin d'avoir une pièce aussi... Voilà. Du coup, on peut faire un truc genre jusque là. Voilà. Alors attendez. Alors, parce que là on a le salon, on le garde hein, quand même hein, pour la télé, parce que... Pour se divertir, ils auront pas un ordinateur chacun, ça c'est sûr. À la limite, on mettrait un seul ordinateur, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu de la chance, parce qu'ils sont jamais tombés malades. D'ailleurs, ça, on va vendre, tant qu'on y est, voilà. Ils sont encore jamais tombés malades, mais quand ça arrivera, ça arrivera. Parce que ça arrivera un jour. Mais la garderie, c'est-à-dire les jeux, ils sont où? On va les mettre où? Déjà là, ça paraît grand comme maison, mais finalement, c'est pas si grand que ça avec tout ce qu'il nous faut. Bon, on verra. Si on met la cuisine ici et une table au lieu de mettre une grande... Parce que je voulais mettre une grande table pour manger, mais finalement, on va pas faire ça. Là, on a déjà les deux salles de bain. Ça suffit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Si limite, il faudrait que je mette une troisième salle de bain. Mais pour l'instant, si ça suffit, on partira là-dessus. Au pire, on verra plus tard. Voilà. Il me faudra 3 lits. Là, de toute façon, si on met l'entrée... On met ça comme ça, et il nous faut un troisième lit. Et le troisième, au pire, on le met là. Sauf qu'on va le changer de couleur, comme ça il y aura les 3 différents et pas besoin de plus pour les bambins, 3, parce que si on a des triplés, 3 ça suffit. Ici on va mettre des lits, vraiment des bons lits plus tard, pour l'instant on laisse cela et il nous manque des portes. Alors les portes sur deux cases. Ils sont les deux portes. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va partir sur du blanc, hein. Quelque chose de... Voilà, comme ça j'aime bien mettre un petit tapis pour faire genre, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula! J'ai cru que c'était un bonhomme qui courait. Vous voyez le petit oiseau là, au moment où j'ai fait ça, j'ai cru qu'il y avait une ombre noire sur mon écran, ça m'a fait peur. Waouh! Ok. Alors du coup la cuisine on va la mettre là avec un truc à manger. Je pense que du coup ici on va mettre la salle de jeu hein, qui sera pas dans une pièce à part entière. À moins qu'on mette quand même quelque chose avec un arc, une porte arquée. On verra, pour l'instant on déplace déjà la cuisine. Pour l'instant on garde cette cuisine. Elle est quand même utile. On n'a pas encore l'argent pour tout refaire. Ah, j'ai oublié de mettre une porte à la chambre à côté. Celle-ci. Et... Ouais, comme ça c'est sympa. Là par contre je peux pas mettre une sur deux quoi. Ou j'en mette, voilà, une comme ça. C'est pareil mais en plus petit. Et ça passe. Ça passe, ça va et tout, c'est accessible partout donc c'est bon. Voilà, ici.
pour le moment, on va mettre ça. Plus tard, on mettra une table pour cocu et un bar. Ça dérange pas non plus. Ah, la fenêtre. La fenêtre, elle m'a pas respectée, là. Alors, attendez. Faut mettre un peu de lumière dans cette baraque. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Puis, les fenêtres, on pourra les changer de place plus tard. C'est quoi ces certificats de naissance? On peut les laisser... Bah tiens, on va les mettre plutôt dans la chambre des bambins, les certificats de naissance. Parce qu'elle a été à l'hôpital et du coup, elle a reçu un certificat de naissance. On va mettre comme ça. Ça, on va laisser là. Bon, c'est moche, hein. Pour le moment, c'est moche. Hein. On va dire ce qui est. Mais on changera par la suite, on rajoutera ce qu'il faut. Là, on rajoute une toilette, un lavabo. La deuxième salle de bain est fonctionnelle parce que j'ai mis le bain là parce que de toute manière, on n'a pas besoin de prendre une douche et un bain dans la même pièce, enfin de les mettre dans la même pièce. Et de toute façon, le bain, j'en ai besoin pour les bambins, pour les laver. Obligé d'avoir un bain, même si je préfère garder les douches pour les sims, c'est plus rapide. Et là, alors je pense que ce qu'on va faire, c'est peut-être déplacer les fenêtres ici. On va les mettre là. Pour l'instant, on va les mettre comme ça. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. C'est déjà mieux que la première fois. Surtout ici, on a de la place pour faire une salle de jeu. Et du coup, on va faire ça comme ça. On peut même limite, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre limite fermer ici et mettre une porte arquée. Comme ça, là, ça fait un mur. Si on veut mettre une table, on peut mettre une table, vous voyez. À la place du bar, on peut mettre une table pour manger, comme un mini salon. Et une porte arquée, verte. Limite comme ça, ça me dérange limite même pas. Après ça fait grand quoi. Ça fait grand, on va peut-être tester... tester celle-ci. Parce que si on la met plus de ce côté-là, au côté du mur, au moins ici il y a un coin, on peut rajouter un jeu, je sais pas si vous voyez où je... Qu'est-ce que je veux dire? Mais là, voilà, ici, on peut rajouter des choses ici si on met pas la porte au milieu. Les portes ouvertes, ça me dérange moins de les coller au mur que les portes en elles-mêmes. Je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec les portes, voyez-vous. Hein, ça arrive à des gens, ils ont des problèmes avec des araignées, avec des je sais pas comment. J'ai des problèmes avec des portes. Enfin bon, vous inquiétez pas, au niveau des murs, on refera tout, on mettra la tapisserie. Pour le moment, on va rester comme ça parce que je veux pas faire non plus tout un épisode que de construction. Du coup, on va se remettre en game. Et écoutez, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. On sait jamais. Je vais sauvegarder. Hein. Surtout que là, ça me plaît bien. Parce que j'ai fait beaucoup mieux que la première fois. Bon, c'est pas... Voilà, hein, c'est pas fini. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, le toit que j'avais super bien réussi, lui, par contre. Hein, le toit. J'ai juste essayé de remettre le toit. Parce que le toit, c'est un challenge à chaque fois. Hein. C'était un challenge avec moi, le toit. Voilà, et même là, il y a ça. Qu'est-ce que j'avais fait pour ça? Je sais plus. Ah, je crois que j'avais un petit peu soulevé. Voilà, et ça avait réglé le souci. C'est juste là, maintenant, en fait. Non. Comment que je fais pour là? Comment que je fais? Parce que ça, avant, j'avais pas. Mais je trouve que ça rajoute un petit peu...
a été trop carré la maison, donc le petit bout là ne me dérange pas en soi. Il ne me dérange pas en soi. Bon. Ah, il se verrie horrible là. Oh, quoique, là. Là, ça dérange pas. Ouais. Hé, 15L, pro. Ah, faut que je me... Comment ils font les gens qui travaillent sur les toits? C'est des... Couvreurs zingueurs. Voilà, je vais devenir couvreuse zingrise. Zingriste. Couvreuse zingriste, 15L, bonjour. Appelez-moi. Je vous refais les toits. Non, ça va, franchement, je m'en suis sortie. Là, même la couleur, en soi, j'aurais voulu mettre le noir, mais finalement, ça match bien. Ça match bien. Non, le toit est sympathique. Écoutez, on va se remettre en mode vie. On n'aura plus grand-chose à faire, parce que là, je vois qu'on atteint plus de 20 minutes. Qu'il va falloir que je vais commencer bientôt à arrêter. Mais j'ai envie de jouer, en fait. J'ai rien fait à part construire dans cette dans ce let's play. Et j'avais envie de... Voilà. D'un peu plus. Écoutez, il nous reste même encore 3000 simflouz. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on commence à améliorer? On commence par quoi? C'est ça. Bah d'ailleurs, tiens. Que je réfléchisse. Bah je pense qu'au niveau des salles de... La priorité, ce serait quoi? C'est de... D'augmenter, on va dire, la situation de vie. Par exemple, les lits. T'as un meilleur lit égale le sommeil récupère plus vite. Bah tiens, va dormir. D'ailleurs, en parlant de sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Attendez, qu'est-ce que tu fais là, toi, d'abord? Lui aussi, bah tiens, va parler avec ton frère. On va parler avec ton frère. Ah, ils sont en train de se parler à travers le truc ou ça se passe comment? Quoique, rentrez à la maison tous les deux. Rentrez à la maison et vous allez vous parler à la maison. De toute façon, ils sont un peu dans le bad, donc on va les ramener à la casa. À la casa. Oh, bonjour! Est-ce qu'elle peut l'inviter à rentrer? Ou pas inviter? Bah tiens, tu peux rentrer. C'est un peu le père de ses enfants, quoi. Et il est où, lui? Mais non, je t'ai dit de rentrer, je t'ai pas dit d'aller dormir sur un banc, là. Bah tiens, toi, t'avais envie de parler, bah profite-en pendant... Donner un coup de hanche, lol. Normal. Discuter des fractions, raconter une histoire inventée, prendre une photo ensemble, s'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt, partager un secret, faire une imitation. Bon, toi, tu rentres ou tu rentres pas? Ça va demander d'aller aux toilettes. Maintenant, il y a deux toilettes, c'est bien. S'ils ont envie d'aller aux toilettes en même temps, ben... Allez-y, allez-y. Et ensuite, prendre des restes. Avouer sa peur des vampires. Monter une histoire idiote. S'enthousiasmer à propos des bonbons. Réclamer de nouveaux jouets, tiens. Réclamer des nouveaux jouets à son père, quand même. Hein. Pourquoi ce serait à Angel de payer tous ses jouets, hein. C'est bon. Hein. Par contre, je crois que oui, il nous manque clairement des lumières. On va rajouter des lumières. J'ai omis ce petit détail, qui est quand même un grand détail. Voilà. Là, il y a. Là, dans sa chambre, il n'y avait pas. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bah, écoutez, là, je crois que c'est bon. Hein. Au niveau des lumières, on est bon. Mettre éclairage automatique. Tous les éclairages. Pour économiser l'électricité. Sinon, la facture, elle est plus grande, forcément. Non, ne lave pas ça! Non! Merci.
c'est parfait. Et toi aussi, après manger, tu pourras aller dormir. Oh, elle le rejoint devant la télé, hein. Ok. D'accord, pourquoi pas. Je dis ça, mais je suis la première à manger devant la télé, hein. Là, Brent, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais tout a changé en si peu de temps. En à peine en l'espace d'une petite heure, la maison s'est transformée. Ça, c'est vraiment les maçons de l'extrême, quoi. Et ils prennent pas 7 jours à transformer ta maison, hein. Ils prennent une heure et puis c'est bon, quoi. Ils te refont une nouvelle maison de A à Z, quoi. Oh non, c'est cassé. On va remplacer, j'ai peur qu'elle se fasse électrocuter et qu'elle décède si... Voilà. Allez, tout le monde fait dodo. Oh, bah du coup, Brent, c'est parti. Brent n'est plus là. Et il y a personne avec qui... Ah si, je vois quelqu'un qui se balade ici. Ah bah c'est Brent. Mais Brent, non, on va pas discuter avec Brent. J'avais dit quoi? J'avais dit que dès que je commençais à refaire la maison et que je savais quoi faire, et ben... non, pas là-dedans. Qu'on allait commencer à... Non, on a rêvé. Quoique... On va demander au vampire de venir. Est-ce qu'il va venir? David dort. Mais non, c'est un vampire! Comment il peut dormir la nuit? C'est un vampire! Oh! Mince! C'est quoi ça? Bon, on va laisser manger et puis après on va lui demander de réveiller son fils pour lui parler. C'est qui pleure? C'est elle, elle fait un cauchemar? Non, c'est lui. Forcément, il a besoin d'un peu de social, hein. Il a besoin d'un peu de social. Ouais, on va parler avec. Demander conseil. Discuter des fractions. Voilà, ça va tout de suite mieux. Ça va, mais tout de suite mieux. Devenir meilleur ami. Parler de son animal préféré. Faire l'imbécile. Pourquoi pas. Jello et Angel Sanchez deviennent meilleurs amis. Ça marche. C'est beaucoup mieux. Eh ben écoutez, on va l'envoyer pêcher. On va l'envoyer pêcher si ça va mieux pour lui. Allez, go to the pêche. Go to the pêche, pêche, nanana. Et elle? Elle se réveille aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? En manque d'inspiration. Et cracra, la crasse commence à se cumuler. Ah, ben... Prends une douche. Va prendre une douche. Va prendre des restes. Et toi, tu vas ici. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à s'arrêter là. J'aurais réussi à finir cet épisode, on va sauvegarder, hein, mais c'est à chaque fois comme ça. Au bout d'un moment, j'ai plus de crash d'ordinateur. Il n'y a plus de crash. Je commence à oublier que c'est possible. Et boum, qu'est-ce qui est là? Ben, un crash. Merci beaucoup le PC qui s'arrête. Mais voilà, bon, il faudra quand même que je prenne l'habitude. Et ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu et je suis désolée pour les inconvénients. Voilà. Vous aurez un bon de remboursement. Satisfait, remboursé, non, je déconne. Mais je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et encore une fois, je m'excuse, je suis désolée. Voilà, j'aurais dû enregistrer ma partie et j'aurais recommencé. Mais au moins, j'aurais recommencé au bon endroit, au bon moment. Voilà, donc je suis encore désolée. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Gros bisous à vous en attendant. Portez-vous bien.